Mais si on regarde, c'est cool, il y a une nouvelle coupe de gaz que Elle est belle ta réplique, tu me l'as prête, tu veux laisser divertir. Bon, alors on va commencer la première partie, un petit frontal à la Marseillaise, respawn illimité. Votre respawn est ici. Le respawn de l'équipe adverse est au cercle de pierre à l'autre bout du terrain. Pour ceux qui ne connaissent pas le terrain, demandez à ceux qui le connaissent. Merci. Quand vous êtes touché, deux solutions. Soit vous avez deux potes autour de vous, ils n'ont qu'à vous toucher, il faut que vous ayez deux joueurs encore en vie qui vous touchent, et vous repartez. S'il n'y a personne autour de vous, que vous êtes vraiment dans la merde, que vous voyez que personne vient vous chercher, que vous allez attendre 3 heures, vous ne faites pas chier, vous revenez au respawn. Vous avez ces deux choix. Par contre, vous n'avez pas le droit de dire, bon ben je retourne au respawn, en chemin je croise deux potes, ils me soignent. C'est soit vous attendez, vous restez où vous êtes, vous ne bougez pas en gardant le flingue levé et deux potes viennent vous soigner, soit vous vous bougez jusqu'au respawn. Des questions là-dessus? À quelle heure on mange? C'est bon, encore d'autres, non? C'est bon, ça va? Ça y est. Bon, maintenant, les généralités un peu. Vous vous tirez pas dessus à bout portant. Pour les tirs dans la tête, j'entends très souvent râler à propos de ça. Il m'a tiré dans la tête, il m'a tiré dans la tête. Alors je vais être très clair sur ce point. En airsoft, il y a les masques. C'est sûr, c'est pas très confortable, mais ça protège. Vous pouvez choisir de ne porter que des lunettes pour le confort. Mais en contrepartie, il faut assumer le fait que vous allez vous prendre des billes dans la tête et que ça va faire mal. Bien sûr, on essaye au minimum de tirer dans la tête. C'est pas le but. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois que vous sortez, la première chose qui apparaît, c'est la tête. Donc forcément, c'est l'endroit qui se prend le plus de coups. Donc je vais entendre personne râler parce que vous êtes pris des billes dans la tête. Si vous voulez pas vous en prendre, vous mettez des casques. Voilà. Pour les Highlanders, après, on n'est pas... Voilà, merci. On n'est pas au paintball, on n'est pas au laser quest, on est à l'airsoft, ça se joue sur le fair play. De plus, ce sont des petites billes. On les sent pas toujours, alors je vais voir personne me dire « Ouais, je lui ai vidé 100 billes, il est pas sorti. » Soit vous l'avez pas touché, soit il l'a pas senti. Dans tous les cas, c'est pas forcément un Highlander. Vous hésitez pas à crier. Si vous avez vu la bille le toucher assurément, vous hésitez pas à le crier « Tu es out » ou bien vous vous mettez momentanément hors jeu pour aller le voir, lui dire qu'il est out. Après, vous revenez, vous rejouez. Mais ne mettez pas en doute son fair play. C'est compris? On est là pour s'amuser. On n'est pas là pour se foutre sur la gueule ou pour gagner à tout prix. Il peut y avoir des erreurs. Partez sur ce principe. N'est-ce pas, Rémi? Des questions? Non! Kams, montre-nous ton cul. Oui. Non, il a arrêté. Il s'est reconverti. Il montre autre chose maintenant. On veut voir. Bon, ben voilà. Bravo! Encore! Fort, hein? Une autre! Une autre! Yeah! What is it good for? Absolutely nothing! Uh-huh. What is-
gentlemen.